Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle île pour Animal Crossing, bien sûr. Et cette île, elle s'appelle Okawai. Alors, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, c'est ce soir. Et Badou va contempler les fesses d'Apollon. Et Serena, tu trinces l'œil, là, hein, c'est ce que je vois. Non, mais... Alors pour l'instant c'est plutôt nature comme île, c'est pas mal. Ah, on aura les nouveaux objets avec cette petite présentation ici, plutôt glace. La plage est glacée. Ok, c'est pas mal. Un open bar sous la glace avec la vaïnée, pourquoi pas. Ouais. Par contre, on a choisi de mettre les tabourets jaunes, mais de différentes couleurs. Pas un grand fan, j'aime bien que les couleurs soient adéquates. Après, chacun fait comme il veut, vous le savez bien. Ici, on a un joli motif au sol pour présenter toutes ces roses. Par contre, là, il a choisi de très belles couleurs ensemble. Vous avez là, orange et noir ici. Les plus chers et les plus courtisés, les bleus et les roses d'or, ainsi que les rouges et les blanches ici, et violet et rose là. Très très bien. C'est bien choisi. Daenerys, reine des Andales, Khaleesi. Oui, celle qui se la pète, quoi. Par contre, le truc d'ange au-dessus, pour Daenerys, c'est pas top, hein. Pas vraiment un ange, hein. C'est plutôt un démon à la fin. Pour ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones, désolé, je vous ai spoilé. Je le mettrai dans la description. Attention, spoil Game of Thrones. S'il y en a encore qui n'ont pas vu cette série, je vous la conseille. Il y a quand même pas mal de nouvelles séries qui vont arriver en 2022, justement. House of Dragon pour Game of Thrones avec un joli motif cœur ici. Je crois qu'on en avait un juste. Ah non, je pensais qu'il avait fait la même chose avant. On a un petit chemin, on le connaît bien ce petit chemin là de terre. Pas très bien. Ah oui. Ah c'est, j'aime beaucoup, j'adore même. Ça, très intéressant, c'est bien foutu, c'est bien placé. Juste à côté, vous avez un coin pêche. Ok, le pêcheur. Il a un sacré coin, le pêcheur aussi. Hein. Oula, regardez, ça va jusque là. D'accord, donc en voyage onirique, on n'a pas l'amiral qui se présente. Ok, c'est bon à savoir. Ok. On va revenir par là. Je vous ai pas présenté les habitants de cette île. Alors, je vais m'appliquer à le faire maintenant. Un joli pique-nique ici. On va le faire maintenant. Vous avez vu qu'il y avait une autre... Alors, il y a Jojo, Coco et Daenerys, bien sûr. Allez, entente. Pourquoi pas. Et le campeur, il est où? Ah, il est... D'accord. Il est à côté. C'est logique. Alors, comme habitants avec eux, ils ont Doc, Chavrina, ah, excusez-moi, Abraham, Gonzo, Régis, Bichoun, John, on aime bien les biches, Laura, Coco et Neige. Ok, alors elle était par là, voilà, et ici... Salut Coco. Aloha mon champignon. D'accord ? Je suis pas ton champignon. Je suis qu'un visiteur. Là aussi, motif au sol que l'on connaît, qu'on a déjà vu, mais qui est très joli. Ah ouais, on a les deux statues. Et elles sont vraies en plus. Toutes les deux sont vraies. Eh ben dites-moi. Alors, je ne peux pas passer par ici. Il y avait une pierre qui me gênait, d'accord.
un coin plutôt asiatique ici. Un peu différent, on n'a pas mis la musique habituelle. Très très bien, j'aime bien. Donc ça change un peu. D'accord, on a pris le petit pont. La tour. Ok, tout ce qui est asiatique est ici. C'est très très bien. C'est bien foutu en tout cas. On en a un reste ici. C'est quand même un grand grand coin asiatique. Avec un splendide motif au sol ici. Très très bien. Ouais, c'est un très chouette coin que nous venons de voir. Là, on a un début de campeur, mais il est un peu tout seul celui-là. Il n'a pas de tente, il n'a rien. Juste un duvet. Donc c'est une île quand même assez nature. On a eu. C'est la deuxième île qu'on fait. Et on a un petit coin, enfin un gros coin nature et un petit coin ville avant. Très intéressant. Alors là, une des maisons, on va la faire. On va voir qui c'est qui habite là déjà avant. Et c'est Coco. Et la maison de Jojo, elle sera juste avant, sur le côté. On va la faire après. Allez. Alors, c'est plutôt pirate pour ce début de maison. Pourquoi pas? Avec la musique qui va avec. Il y a les lingots, il y a tout ce qu'il faut. On va au fond. Ah, on n'est plus dans la piraterie là. On est sur un coin plutôt joué. Un petit salon avec les cadeaux de Noël. C'est passé un peu Noël, hein. C'était il y a 5-6 jours, 7 jours même. Mais c'est très joli. Très joli coin. Très bien fait en plus. Bravo. Alors, troisième pièce, et là, on est dans la forêt, on est perdu en forêt. Mais c'est exactement ça, quoi. Il n'y a pas d'erreur de goût, il n'y a rien. J'aime bien. C'est stylé, comme dirait l'autre. Ici, c'est plutôt le coin école, le coin scolaire, avec. Alors, on fait l'école à trois personnes. Mais c'est bien vu, hein, c'est très bien vu. Le bureau du prof. Donc lui, il n'a pas de siège, il n'a pas de chance. Il a même un poisson, il en a de la chance, ce prof. C'est pas mal du tout. C'est bien réalisé, là aussi. Il y a ce qu'il faut au mur, etc. Et rien à dire. Et bien, pour cette pièce du haut, on a droit à deux endroits différents. Alors pourquoi cette musique triste et morbide? Alors je sais bien, il y a un squelette là, mais on est chez les Targaryens, c'est ça qui. Non, c'est Jojo là, donc normalement il n'y a pas de. C'est Halloween. J'espère que ça représente pas des choses de Game of Thrones parce que là j'ai pas suivi, hein. Enfin, il n'y avait rien de très transcendant, on va dire. C'est une jolie pièce également. Je pense pas, hein, franchement, je peux me tromper, mais je pense pas. Ou alors ça me saute pas aux yeux. Et ici, nous avons un petit coin botanique. Très joli coin, très bien fait. Alors là encore, ouais, le tas de feuilles peut se comprendre à la rigueur. Alors j'aurais peut-être mis un balai ou quelque chose juste à côté. Et je l'aurais mis vraiment dans un coin. Je sais pas, au lieu de la lampe là qui ne sert pas à grand-chose, on va dire. Elle éclaire quand même, mais bon. Je pense qu'il aurait pu, voilà, il aurait pu mettre le balai et les feuilles collées en dessous.
Après, c'est mon avis perso, hein, bien sûr, vous le savez. En tout cas, c'était une très jolie pièce, très bien fournie encore. Là, on est quand même servi. C'est très bien rempli, toutes les pièces. Il n'y a pas de défaut de goût, c'est très bien. Alors, j'ai quand même observé un peu plus parce que. Mais je pense pas que ça ressemble à Game of Thrones, hein. Il n'y a rien à l'extérieur qui me fait penser à ça. Là, on a le petit coin des légumes que nous venons de récupérer. Ça fait un petit moment déjà, mais voilà. On va visiter la maison suivante qui est celle du titulaire, c'est Jojo. Après avoir fait celle de Coco. Donc, on ne fera pas celle de Néniris puisqu'elle est en tente. Là encore, très belle présentation. Ah, je me demande s'il n'y a pas des. Non, il n'y a pas de girouette. Bien que. Je sais pas d'où vient la musique. Ah, elle vient de là. Ah, si, il y a bien des girouettes, c'est bien ce que je pensais. Ils sont hauts. Je sais pas si on va. Alors, on les entend pas tous, excusez-moi. Par contre, la pièce est très très jolie. Non, non, c'est très très bien, très réussi. J'aime beaucoup. Bravo. C'est la pièce du fond et là aussi on est sur une pièce plutôt bureau avec beaucoup d'objets en or. Vous voyez, on est surveillé par la caméra qui est juste là. Je suis filmé. J'essaye de me cacher mais ça sert pas à grand chose. Très belle pièce bureau avec de jolis tableaux. Très très bien, bravo. Alors ici nous avons la cuisine, c'est également une très belle pièce, franchement, très réussie, bravo. Avec un petit gyroïde sur la table. Non, celui-là j'ai du mal à l'avoir en plus. Je crois que j'en ai qu'un, mais il est très chouette. Avec la petite photo de Robusto pour le café. Alors je l'aurais mis juste à côté du café moi, mais bon, il pouvait peut-être pas. En tout cas, je m'en suis servi. Hein. C'est une très belle pièce cuisine, salle à manger, très jolie. Et bien pour cette quatrième pièce, c'est une chambre. Une chambre plutôt enfant. Petite musique de kéké. Ok, c'est très joli. J'aime bien les photos de tes habitants. Très chouette, bravo. Alors ici nous avons une pièce salle de bain. Très grande salle de bain quand même. Avec un petit coin plus pour laver le linge, sécher le linge. Ok. Avec des gyroïdes là aussi. C'est pas beaucoup de bruit celui-là. Ok. J'arrive pas à le faire bouger. Il y a un peu d'eau ici. On va éteindre. Là, celui-là, je peux pas. Très très jolie pièce. J'aime bien les couleurs. Le mur et le sol, j'en ai pas parlé sur les autres pièces, mais c'était très joli également, partout. Très réussi. Et on va visiter le sous-sol. Et pour le sous-sol, c'est très réussi, regardez ça. Une pièce détente. Bonjour. Ah, on peut pas. Il y a un siège devant, on peut pas jouer en fait. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est. Birthday. Ah, la musique sympa, très très bien.
Ah, c'est pareil, la machine à café, je peux pas l'utiliser. Alors, c'est une petite pièce magnifique avec tous les posters que vous voyez ici, sur ce côté-là. Très très bien. J'aime bien cette idée de poster. Ok. Allez, nous avons fini les deux maisons. Nous allons continuer notre petite visite de cette île. Très nature d'un côté, beaucoup moins de l'autre. Reprenons le petit chemin. Le petit coin Runar, je pense, oui. Ok. Ça veut tout dire. On ne doit pas aimer beaucoup Runar, en fait. Ok. Là encore un petit coin très nature. On a mis des objets pour observer la mer. Un téléphone également, cabine téléphonique si vous préférez. Ici c'est la lecture. On a quelques habitants ici. Ok. Tout est bien pensé sur cette île, c'est bien, hein. J'aime beaucoup. Alors attendez, c'est pas des sœurs doivent être faites par là. Je regarde. Très beau motif au sol. On revenait en arrière, oui, vous voyez. Ça nous indiquait la boutique des sœurs doivent être faites. Alors c'était un peu loin. Mais voilà. L'indication était fort bonne. Un panneau indicateur, on ira par là après. On va juste regarder la boutique Nook, la boutique de Méli-Mélo. Ok. Avec le distributeur à l'extérieur. Okay. Et enfin le petit coin camping. Avant, il y a un petit coin ici. Oh, il est bon. Il est bon. J'aime bien. J'aime moins les papiers par terre, mais bon, c'est pas très grave. Ça fait partie du décor. Alors, par rapport à ce que j'ai fait, on va dire qu'on y est presque. On est un peu dans le même style. Alors, j'ai pas choisi le bois, moi, mais bon. C'est très, très réussi. Est-ce que je dois monter? Je sais plus. Oui, pour le campeur, je dois monter. Daenerys est en tente. Donc nous ne regardons pas cette tente. Donc, le coin du campeur était ici. Donc Daenerys avec une auréole. On aura tout vu quand même. Comment ça, j'aime pas Daenerys? Non, c'est pas vrai. Là, ce petit coin, on l'a déjà vu. On aurait pu passer par là. C'est bien parce qu'il y a plusieurs passages. On n'a pas qu'un seul passage. Très chouette le motif au sol. Ok, on avait notre petit coin bibliothèque ici, lecture. Et qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, un scientifique. Chouette motif au sol, très chouette. Un peu modifié à chaque fois, c'est très bien. Ah. Ici nous avons la femme de ménage. Elle en met un peu partout les chaussettes quand même, hein, faut qu'elle fasse attention. Allez, on va continuer par là du coup. Ah bah non, on peut pas. On retourne par ici. On est presque arrivé à la fin de la visite. Est-ce que je pouvais passer par là? Je ne crois pas. Ah ouais. Très très joli coin là. Pour l'habitant. Nous en avons un deuxième ici. J'aime bien. Hein, elle a réussi à faire des petits coins très sympas. Ah, un petit coin Mario. J'adore faire ça. Un long long coin Mario.
le coin des planches de ce était ici. Alors que Tig est en ligne. Nous avions Kojak aussi tout à l'heure. Allez, ben, je crois qu'on a fini le tour de cette magnifique île au Kauai. Et on peut dire que on s'est régalé. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez me mettre un joli pouce bleu, et que si ce n'est déjà fait, vous allez vous abonner. Je vous dis à bientôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en voyage onirique. Allez, bonne soirée tout le monde.